Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour le début d'un nouveau petit let's play. Oui, j'insiste sur petit, puisque ce n'est pas un jeu entier que nous allons faire là, mais c'est encore un petit mode sur The Legend of Zelda Ocarina of Time. Je pense que vous avez compris que j'ai fini par y prendre goût. Et en effet, et je pense que je vais en faire plusieurs, puisque ce mois est assez particulier. On vient de démarrer notre mois de février. Et comme l'anniversaire de Zelda approche, ainsi que d'autres choses approchent, et qu'on aura aussi potentiellement des annonces sur le sujet, eh bien je me suis dit que j'allais en faire quelques-uns, quelques petits modes que j'ai trouvés par-ci par-là. Alors là, vous voyez The Legend of Zelda Master Quest, mais le nom apparemment de ce mode que j'ai trouvé, c'est Indigo, Zelda Indigo, qui a l'air plutôt intéressant selon les fans. Donc j'avais envie de tester celui-là pour commencer, mais il y en aura d'autres, certains plus courts que d'autres. Je ne sais pas combien de temps me prendra celui-là, on va voir ça évidemment. Donc j'espère que l'expérience sur celui-ci vous semblera appréciable ou non. Je vous invite pour cela à vous faire votre petit avis dans les commentaires. Les retours sont très importants, vous le savez. Mais encore et surtout, pour m'encourager, pour me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous savez que c'est très important pour suivre ça avec moi, mais surtout pour que d'autres personnes, et de plus en plus de personnes, me soutiennent au quotidien, puisque je vous rappelle également que j'ai des objectifs que j'espérerais tenir dans un avenir proche pour ma chaîne, qui commence petit à petit et continue de se développer, mais elle ne sera rien sans le soutien à côté. Donc voilà, c'est très important de vous abonner et d'activer la petite cloche à notification pour ne rien louper des aventures que l'on va suivre, et rassurez-vous, il y en aura plein des aventures avec moi, vous n'en manquerez absolument pas. Et donc, par rapport à mon objectif actuel, notez qu'il a été dépassé le dernier, on est à 141 abonnés, alors que j'avais dit que c'était pour 140 que je commençais, ma première partie d'objectif, on va dire. Eh bien, ça a été dépassé, ce qui veut dire que on a un prochain objectif futur qui sera donc de 150 abonnés pour l'instant. Et si les 150 abonnés sont atteints, je rappelle que vous pouvez vous manifester pour me donner un sujet, celui que vous souhaitez à traiter en vidéo. Alors, ce sera, j'avais dit que ce serait des shorts, mais ce sera pas sous forme de shorts, ce sera en fait une vidéo courte, en fait, où j'aborderai tel ou tel sujet en vidéo, comme je vous l'ai déjà annoncé. Ça peut être des questions sur moi, ça peut être des questions en général, ce que je pense éventuellement du jeu, ce que vous avez envie que je dise sur telle ou telle chose. Vous êtes libre de demander ce que vous souhaitez. Mais pour ce faire, il faut déjà atteindre le prochain objectif, qui est donc de 150 abonnés. J'espère qu'à la fin du mois, on puisse atteindre les 200. Ce serait vraiment formidable. C'est pas impossible à mon avis. Donc voilà, merci beaucoup. Je vais pas vous faire languir plus longtemps. On va démarrer tout de suite ce jeu. On va voir combien de temps il va nous prendre. Et on va voir surtout ce qu'on va y découvrir. Alors attendez, parce que j'ai branché ça. Ah, ça c'est pas. Ah, c'était pas. C'était plus paramétré ça? Bizarre. Attendez. C'est bizarre, je l'avais fait avant, mais bon. Alors attendez, hop. Ok, bon, appliquer, tac, c'est parti. Alors, au niveau du fichier, oh, d'accord, alors on est tout de suite parti. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On n'a rien dans l'inventaire. Ah, c'est Pokémon Indigo, vous voyez, c'est écrit en bas.
Une file. On a le bras Stégoron, d'accord. On n'a pas d'armes, on n'a que dalle. Il y a une maison ici. Oh, il y a une fée violette. Ah, attendez, qu'est-ce qu'il nous dit le panneau? Merci pour jouer à cette démo. Checker les signes après le pont sur votre droite pour plus d'infos, d'accord. Donc évidemment le jeu est en anglais. Alors ça c'est quoi? Ok. Ouais, si tu veux. Oh, il a inclus ça dans le jeu, c'est marrant. Ouais. Votre ceinture can be equipped. Ah, Tael. Oh, c'est le frère de la fée dans Majora's Mask, ça. D'accord. Debugging feature. Collision view. Fly. Ah, en fait, il peut juste courir plus vite. Mais là, y a rien. Don't have a weapon. Dangerous monsters or ahead. You knock some branches loose. One of the trees is better than nothing, maybe. Pardon. Censé faire quoi en fait? Pourquoi ça m'a ramené là? Les 5 âmes, je suis censé faire comment? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Oh là! Ah oui! Faut savoir escalader, non? Quoi, tu sors d'où toi? Et à quoi tu sers au juste toi? Tu me fais... Oh là. Ça me fait escalader pour ça?
C'était très calme aussi le reste du jeu. On n'entend pratiquement pas de son. Oh, pas de Non, je peux pas les attaquer sans armes. Oula. Ah oui. Salut. À Glass Lake. Cette zone ne fait pas partie de la démo. Qu'est-ce qui fait partie de la démo alors? Ça non plus. Pas trop aller pour l'instant. C'est quoi ça? Ah.
et Noodle Shop. Cent cinquante rubis. Il faut une épée avant de visiter cette zone. Oh là. Le prochain donjon dans la démo sera le cinquième ou le sixième dans le jeu final. Bizarre cet endroit. Et ça? Elle est toute petite. Ah bah voilà. Mais une épée Kokiri en étant adulte là.
Ça s'est assombri tout à coup. Attends, je mets juste le truc en plein écran. Pourquoi t'étais devenu noir d'un coup? On a déjà plutôt un mouté. Bonjour après sa mort. Ah oui, on voit qu'il est mort. Entrer à l'intérieur d'un cadavre, ça se fait pas quand même, sans sa permission. C'est quoi le but de l'opération là? Ah. Je vois l'interrupteur. Il est très mystérieux ce jeu.
une clé. Oh. Ancienne dégoût baba. Ancienne dans la même vidéo, celui-là. Elle a des faux, c'est ça? Ah oh, non, non. Ah non, il y en a une qui est fausse. Une vraie statue quand même. Ok, bon, on verra ça du coup la prochaine fois. On va pouvoir s'arrêter cette première vidéo de démarrage du coup sur ce drôle de jeu. Pour le coup, il est assez mystérieux, mais ça donne envie. Encore une fois, on découvre de nouvelles choses créées par des fans sur Zelda. Ça nous donne une autre façon de découvrir des jeux, hein, des jeux qui m'ont marqué du coup mon enfance, mais d'une autre façon. Plusieurs années plus tard, donc ça c'est vraiment très très cool. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour ce premier épisode de découverte, mais on se retrouve bien sûr très prochainement pour la suite, ne vous en faites pas. À très bientôt, ciao.